Salut tout le monde, c'est Krissa. Comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Chouette. Bon, alors tout d'abord, je voulais vous remercier que vous êtes abonnés nombreux, très nombreux. Alors j'ai dépassé les 500 abonnés en quelques jours. Je suis vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc merci, merci, merci beaucoup. Pour fêter ça un peu, on va faire un gâteau. Non, en fait, c'est moi qui vais faire le gâteau. Vous allez voir comment je veux faire. C'est tout simple, un gâteau aux pommes, tout ordinaire, rien de spécial. Donc je vais le faire. Et bien, si vous voulez, si ça vous intéresse, vous pouvez le faire après aussi. Je vais tout mettre, les ingrédients et tout ça. Je vais le mettre en bas dans le truc de description là. Allez, vous êtes prêts? Allez, on y va, c'est parti! Bon, maintenant, je vais faire revenir les pommes à la poêle. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sucre et un peu de cannelle. Vous pouvez rajouter un peu de jus de citron, ça fait pas du mal. Et faire revenir environ 12 minutes à feu tout doux. Thank you.
Bon, mes pommes sont prêtes aussi. J'ai rajouté quelques raisins secs. J'aime bien les raisins secs. Hein. Je mets partout. Il y a des gens qui se moquent de moi. Ah, mais tu mets tu. Oui, je mets partout les raisins secs parce que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, ça c'est prêt. La pâte, elle est prête aussi. Maintenant, ensuite, la suite maintenant. Bon, voilà mon four Omnia. C'est super pratique. Ça, c'est un truc de silicone. C'est pas obligatoire, mais c'est pratique. Il fait exactement tout ce qu'il fait un vrai four. On peut tout faire là-dedans aussi. Sauf que ben, il le fait sur le gaz. Il le fait aussi sur les plaques électriques. Exactement comme n'importe quel four. Et on peut tout faire dedans. Je suis super contente. Donc voilà. Maintenant, une couche de pâte. Ensuite, les pommes. Et la deuxième couche de pâte par-dessus, je mets environ la moitié, et ensuite les pommes et la deuxième moitié de la pâte par-dessus, et ensuite sur le feu. Voilà, environ 4-5 minutes au feu maxi et ensuite encore environ 25 minutes au feu mini. Et on se retrouve tout à l'heure. Bon, ben les 25 minutes sont passées. On va voir. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, on va piquer dedans. Ouais, on va laisser encore un peu plus. Bon, mais j'ai rajouté 5 minutes. Ouais, c'est bon, c'est sec. Feu coupé, ça c'est bon. Allez, on va laisser refroidir un peu. Puis on verra pour la suite.
super bon. Ouais. Voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Encore merci, merci d'être là, merci d'être avec moi, merci que vous êtes abonné, et puis voilà. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, peu importe ce que vous faites. Et puis, merci et bonne dégustation du gâteau. Ciao, ciao, à la prochaine.